Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Seuls 10% de la surface habitable de la Terre sont occupées par l'homme. Sans plus attendre, nous rejoignons Quentin Schwartz qui nous explique la situation. Très inégalement répartie sur la surface de la Terre, la population se concentre essentiellement dans quelques grands foyers. L'Asie du Sud-Est, Inde, Chine, Japon, Indochine. L'Europe occidentale et centrale, le nord des États-Unis, la côte du Brésil, la côte du golfe de Guinée, la vallée du Nil, les hauts plateaux du Mexique et l'Afrique orientale. Merci Quentin, nous rejoignons maintenant Anaïs Thérésine et Manoro qui vont compléter les excellentes explications de Quentin Schwartz. Alors Anaïs, est-ce vrai que la population est répartie de manière très inégale sur la Terre ? Alors oui Manon, certaines zones sont très peuplées. Pour des raisons culturelles, l'Asie, économique, l'Europe ou l'historique, l'Égypte et l'Amérique, alors que d'autres zones sont presque vides. Où sont les zones d'habitants qui sont presque vides ? Les zones d'habitation sont presque vides dans les régions de la zone froide, dans les déserts avec des climats chauds et arides, et d'autres dans les montagnes, dans les hautes montagnes. Pouvez-vous nous indiquer les endroits les plus urbanisés de la planète ? Les pays qui se développent le plus sont l'Inde, la Chine et l'Afrique. Je vais te donner une autre information très importante. Comme beaucoup de métropoles grandissent trop vite, ça crée de nombreux problèmes, dont le logement, la santé, la pollution et l'emploi, l'exode rural y participent beaucoup. Alors Anaïs, pouvez-vous nous rappeler la définition de l'exode rural ? La définition du mot exode rural, ça désigne le déplacement rural de populations quittant les zones rurales pour aller s'implanter dans des zones urbaines pour y trouver du travail. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est avec grand plaisir, Manon. Merci Anaïs, merci Manon. Quelles sont les villes les plus peuplées et où se trouvent-elles ? Nous rejoignons immédiatement nos spécialistes Andrea Lemaire et Ethan Mach. Nous allons vous montrer les 10 plus grandes métropoles mondiales à l'aide de cette carte. Delhi, Shanghai, Calcutta, Tokyo, Mexico, Mumbai, New York, et Sao Paulo. Merci Ethan, merci Andrea. Nous partons maintenant en Chine, où deux envoyés spéciaux vont nous expliquer que les densités de population peuvent être particulièrement contrastées. Reportage en Chine d'Inès Bellage et d'Emilie Capella. Ici en Chine, la population est concentrée dans l'Est, mais pas à l'Ouest. Il n'y a personne. C'est pourquoi nous avons demandé à Inès Bellage de nous expliquer pourquoi. Eh bien tout d'abord, Emilie, la population de la Chine est de 1380 millions d'habitants. La population du Japon est de 127 millions d'habitants. Et celle de la Mongolie est de 2,8 millions d'habitants. Mais pourquoi tant d'habitants à l'Est et pas à l'Ouest ? Eh bien Emilie, les Chinois sont moins attirés par les montagnes et les cours d'eau. Ils préfèrent la richesse, la vie moderne et le travail. Merci Andrea, merci Ethan. La localisation des hommes se fait donc en fonction des contraintes naturelles. Nous rejoignons Léa Simao, qui est en duplex avec deux envoyés spéciaux, au CNED, Héloïse Mignan et Sheila Kudo. Bonjour mesdames, pourriez-vous nous expliquer pourquoi les populations sont faibles sur certains endroits du globe ? Tout d'abord, c'est à cause des contraintes climatiques. L'Antarctique, à cause du froid et de la glace, empêche toute culture, et donc il n'y a aucun moyen de subvenir aux besoins alimentaires. Y a-t-il une autre contrainte ? Oui, bien entendu. N'as-tu pas une autre idée, toi ? Si, bien sûr, le Sahara qui, à cause de la chaleur et du manque d'eau, empêche les hommes d'y vivre nombreux. Pourriez-vous nous donner un autre exemple, s'il vous plaît ? Non.
Les contraintes géographiques qui sont liées au relief du lieu, des endroits sont inhabitables car il est difficile d'y accéder comme l'Himalaya avec ses chaînes de montagnes. Nous vous rendons l'antenne. Nous retrouvons notre spécialiste chiffre, Ethan Mach, qui va peut-être pouvoir nous dire comment la population a évolué. Ethan ? On peut dire que celles-ci ont évolué en nombre d'habitants. On peut justifier grâce au graphique suivant. La population a fortement augmenté. Et cela continuera encore longtemps. Merci, Ethan. Héloïse, c'est à vous. On l'a vu, les contraintes naturelles sont nombreuses. Afin d'avoir de plus amples informations, nous rejoignons Walter Mendy, qui est en duplex avec 4 envoyés spéciaux. Tout au long de cette émission, nous allons voyager. Tout de suite, commençons par par la forêt amazonienne, où nous retrouvons notre envoyé spécial, Aurélie Antunes. Bonjour, je suis bien dans la forêt amazonienne. Ici, le climat est humide. Il y a beaucoup d'animaux qui ne cessent de crier. Je me trouve en compagnie de Lisa Ravenkovic, une habitante de la forêt. Bonjour Lisa. Bonjour Aurélie. Y a-t-il des tempêtes ici? Oui, pratiquement tout le temps, mais surtout des tempêtes de pluie. Pourquoi est-ce si dur de vivre ici, dans cette forêt? Eh bien, à cause du climat, la nourriture est rare et certains animaux sont dangereux. Y a-t-il d'autres habitants? Oui, mais très peu. Merci Lisa. De rien Aurélie. Nous vous rendons l'antenne. Puis pour continuer, le Sahara avec Eva Radnikovic. Oui, bonjour, je suis bien dans le Sahara, donc ici il fait très chaud. C'est pour vous prouver la différence d'habitants ici au Sahara et chez nous à Paris. Je vais interviewer Hakim Jalbi. Bonjour. Bonjour, par quelle question voulez-vous commencer? D'abord, pourquoi il n'y a pas beaucoup de population au Sahara? Tout d'abord, à cause du climat, du sable, des insectes venimeux comme les scorpions, les mygales et aussi du manque d'eau. Oui, mais comment faites-vous pour boire? Eh bien, nous allons au puits tous les jours. Et dernière question, croyez-vous qu'il aura peut-être plus de population au Sahara? Non, je ne pense pas, car le désert est très rude et je crois qu'il restera un désert peu peuplé. Merci. Voilà, Héloïse, nous vous rendons l'antenne. Et pour terminer, le Groenland avec Eléa Jacquet. Oui, bonjour, je vous retrouve donc au Groenland. Ici, il fait très froid, à peu près moins 30 degrés. Les températures peuvent même descendre jusqu'à moins 50 degrés, ce qui explique les kilomètres et les kilomètres de banquise qui se trouvent autour de moi. En plus de ça, le vent souffle à plus de 150 km/h, ce qui, au final, en fait un endroit presque inhabitable. Seules quelques familles arrivent à vivre ici. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'info.